Salut à tous, c'est Vosketel de BoomBeachFrance.com, une base, une analyse de base de Maverick 0441, aussi appelé Maverick 0441, de niveau 28 et de QG niveau 12. Alors c'est rare hein, que j'analyse des bases aussi entre guillemets avancées. Alors, une petite base, une grosse base même, où on aperçoit quand même une symétrie, une certaine symétrie. Alors, c'est une bonne base, hein. La construction est très bonne, finalement, il y a pas grand-chose à dire, parce que les bâtiments sont quand même bien évolués selon le, on va dire, le niveau du QG. Le niveau général, hein, on a des tours de sniper niveau 10, alors quand il y en aura une sixième, ça va être impeccable, on voit tout de suite où tu vas la mettre, hein, à la place du canon à droite. Alors ensuite, donc un super canon niveau 2 qui est très bien à mettre derrière, parce que bah, d'une part ça protège le derrière, puis en plus avec un champ de tir qui est quand même assez important, assez large, et bah ça couvre même jusqu'à devant. Donc si une personne voilà, fait le tour par derrière en passant par la gauche ou par la droite, il va tomber derrière sur deux tours de sniper niveau 10 et un canon. Alors dans ce sens, le mortier ici est un petit peu peut-être superflu parce que le mortier il va vite morfler, il va pas servir à grand-chose. Bon, je serais toi, voilà, je le mettrais peut-être un petit peu plus à l'intérieur du village, surtout qu'il est au niveau 2, donc ça va vraiment pas faire de mal. Il est plus là en tant que, on va dire, que décoration. Alors, le placement des mines, maintenant, il est très bon aussi. Pourquoi? Parce qu'elles sont en verticale, si je puis dire. Donc, les personnes, les ennemis, pardon, qui vont arriver, ils vont ramasser une mine, deux mines, trois mines, tout ça à la suite. Donc là, évidemment, ça va faire beaucoup de dégâts, à la différence des lignes de mines horizontales. Donc voilà, bah, voilà, je les changerai pas, tu les as bien mis sur le côté, un petit peu derrière. Bon, c'est vraiment bien. En plus, elles sont pas mal, hein, elles sont niveau 8, donc là ça commence quand même à arracher pas mal. Quoi d'autre à te dire? Donc cette symétrie est pas mal. Bon, comment dire, il y a des bâtiments un petit peu à gauche, là, les mitrailleuses, je me rappelle plus le bâtiment pour les statues, je sais plus comment il s'appelle. Bon, je serais toi, voilà, je les remettrai un petit peu à l'intérieur. Alors les résidences, bon, il y en a une de niveau 4. Là encore, c'est pas très grave, hein, je me répète assez souvent. C'est pas extrêmement grave. L'important, c'est voilà, d'essayer de continuer à bien améliorer un petit peu tout au même niveau. De pas laisser les choses derrière, c'est une erreur qu'on fait un petit peu trop souvent. Pas mal, hein, la petite mine cachée derrière le, le radar. Ça, ceux qui passent à droite, ben voilà, sont fichus. Cette histoire d'ailleurs de mettre une super mine derrière les bâtiments, on peut pas le faire derrière beaucoup de bâtiments. On peut le faire derrière la scierie, ça se voit un petit peu. Derrière le radar, ça se voit un petit peu aussi. Alors, en termes d'attaque, niveau 8, je crois pour toutes tes barges. Ah, il y en a une qui est au niveau 6. Bon, c'est pas très grave. Je vois que tu attaques avec des zookas et des gros bras. Puis une canonnière de niveau 12. Donc là, ça commence à être intéressant. Hein. J'en suis aussi actuellement au niveau 12. D'autant que voilà, tu as des beaux chefs-d'œuvre d'attaque, des beaux chefs-d'œuvre de ressources. Franchement, voilà, c'est un super village. Comme quoi, la symétrie n'est pas forcément mauvaise. Je suis pas trop fan généralement, mais voilà. Là, c'est aéré. Et là, ça marche pour tous les youtubeurs qui colle un petit peu toute leur défense entre elles. Voilà ce que c'est qu'une base aérée. La base de Maverick, il y a de l'espace. Donc si j'envoie un barrage, je sais pas trop où l'envoyer finalement pour faire beaucoup de dégâts. Et ça, c'est l'essentiel dans un village. Voilà Maverick, ce que je pouvais te dire. Si tu as des questions ou si les autres followers ont des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire juste sous cette vidéo. Excellent jeu à tous et bien sûr à toutes.